La patate. Ouais, ça va pas mal. Ouais, ouais. Alors, on est où là, Jacques, dis donc ? On est au Tabor. Un lieu magique de la ville de Rennes. Un lieu incroyable. Un lieu de promenade, un lieu de réflexion. Je viens de sortir un livre qui reprend toute la série d'images que j'ai réalisées sur les serres du Jardin du Tabor. Alors, je sortais d'une série précédente, qui avait duré un petit moment, mais comme chaque série, moi je... Donc ta série sur les roses. Sur les pétales de roses, exactement. Et j'étais dans une période de transition, la série était terminée depuis 2-3 mois. Et Fred, qui est un ami et qui tient le restaurant et le bar du Tabor, souhaitait présenter ce travail sur les roses dans le cadre de l'inauguration du restaurant qui avait lieu au printemps 2013. Et on se donne rendez-vous ici pour en discuter. Et moi j'arrive, c'était en début d'année 2013, il fait un temps sympa. Ouais. Et je me promène comme tout à chacun ici. Et Fred appelle en me disant « Jacques, je suis désolé, j'ai un problème, je suis un peu de retard, est-ce que tu peux m'attendre ?» J'ai dit « Écoute, Fred, prends ton temps, je suis au Tabor, tu arrives et tu m'appelles quand tu es là et puis on se verra. » Et en fait, c'est moi qui l'ai mis en retard parce que j'avais mon appareil photo, ouais. Je me suis retrouvé dans les serres, et puis j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Hein. Et puis la série a démarré comme ça. Donc je ne sais pas si elle, peut-être qu'elle n'existerait pas sans ce rendez-vous décalé. Peut-être, hein, je serais peut-être passé à côté de cette série. C'est uniquement un travail sur le reflet et la transparence. Hein. Tout se fait à la prise de vue, c'est un travail de... Il n'y a pas de mise en scène. Hein. Ouais, parce que la question qu'on se pose souvent quand on regarde les premières images, là, on dit mais c'est quoi tes retouches, c'est quoi... Bien sûr. Tu fais une double exposition, absolument. Tu fais... Et les questions sont légitimes, donc je comprends qu'on me les pose, hein. Ça c'est évident. Mais non, moi je suis... C'est bio. Hein, Je pars du principe que l'image existait à la prise de vue et pas après. Donc j'ai gardé cette méthode, ce moyen de faire de l'image. Et moi c'est l'émotion de la prise de vue qui m'intéresse. C'est pas ce qui se passe après devant un ordinateur. Moi ça m'évoque rien un ordinateur. Et la première chose c'est qu'il y a la lumière, la technique hein, pure, et le fait de ne pas être dans l'image. Hein. Parce que je me suis fait avoir au début. Par reflet, j'apparaissais dans la majorité des images que je faisais. Donc tu ne te voyais pas, c'est ça ou comment... Je ne me voyais pas toujours et c'est quand j'arrivais chez moi que je mettais les images sur l'ordi et je me dis « Ah mince, je suis à tel ou tel endroit ». Donc il a fallu que j'apprivoise le lieu ou que le lieu m'autorise à le photographier quelque part, une espèce de relation de confiance et d'intimité qui s'est mise en place comme ça au fil du temps. C'est la base de la photographie, c'est ce qui fait que l'image existe un jour. Et l'image, pour moi, elle existe en un 30e de seconde, un 125e de seconde, mais elle existe dans ce temps infini, extrêmement long et très court à la fois, qui fait que l'image existe ou pas, elle est matérialisée ou pas, et l'émotion est là ou pas.
Et c'est ça qui m'intéresse, c'est dans ce temps très court et long à la fois que l'image existe. Alors l'émotion, toi, tu l'as à la prise de vue. Oui. Oui. Tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui, qui sommeille en toi, et il y a résonance en gros. Oui, alors ça marche pas toujours, hein. Ça dépend de l'humeur du moment et de la manière dont on ressent le sujet photographié. Et ça, d'une fois sur l'autre, quand on fait un travail comme moi, sur des, ça dure toujours 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, on n'a pas toujours la même énergie, la même sensibilité, et le lieu, le lieu a amené l'image, naturellement. Et je pensais, un peu, de manière un peu simpliste, que en 5-6 séances, j'aurais fait le tour de ce lieu-là. Et en fait, ça a duré un peu, 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, je suis venu par tous les temps, tous les types de lumière, et dans toutes les conditions, sous la pluie, la neige, en plein soleil, enfin toutes les conditions, tôt le matin, tard le soir. J'ai voulu approfondir ce que me proposait ce lieu qui est incroyable. Voilà. J'ai un rapport extrêmement bref à l'image. L'image m'intéresse le temps de la prise de vue, le temps de ce déclic. Après, je mets mes images sur l'ordinateur, mais je ne les regarde pas. Je reviens dessus un jour, deux jours, trois jours, une semaine après. En fait, j'ai gardé un peu le processus de l'argentique, non seulement à la prise de vue, mais dans la manière de prendre une certaine distance émotionnelle par rapport à la prise de vue, et redécouvrir l'image X jours après. Et l'œil, entre la, au moment de la prise de vue et la visualisation des images, il y a toujours une, il peut y avoir un écart. Et j'aime assez cette idée d'accorder du temps, alors que c'est une image numérique, donc elle est visible tout de suite. Mais j'ai besoin de garder ce temps lié au processus argentique qui était de faire une prise de vue, de déposer la pellicule, d'attendre le labo et de les récupérer. Enfin, Ça fait partie de mon fonctionnement, en fait. Actuellement, tu te laisses encore du temps. Ah, toujours, 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 toujours. Le format carré, c'est la première fois que je faisais du format carré. J'avais, comme un peu tout le monde, essayé des petits boîtiers Lubitel argentiques d'une époque, des petits boîtiers assez simples. Mais je n'avais jamais réellement fait un travail en format carré. Et je trouvais que dans ce lieu, qui a 150 ans cette année, c'est pas rien, je trouvais que revenir un peu, pas aux origines de la photographie, mais retrouver un format lié à une époque et à l'argentique, le carré s'imposait dans ce lieu-là. Parce que je voulais que l'information soit concentrée dans un espace bien précis. Et je trouve que le format carré permet aux éléments de se mettre en place et de s'équilibrer presque naturellement. Et là, il y a une espèce de magie, il n'y a pas de... Enfin, moi, quelquefois, je néglige à droite, à gauche ou en bas, c'est dans un format rectangulaire. Donc, je trouvais que le format carré, ben, on raconte plus de choses dans un format carré, je trouve. Mais ça, c'est mon regard. Je crois que ce travail m'a permis de savoir où j'allais chercher des images et je pense qu'elles viennent de toute mon enfance, quoi. Tout s'est mis en place dans mon enfance. Je crois, les souvenirs que j'en ai de balades en famille, c'était un peu traditionnel à une époque de se balader le dimanche après-midi en famille. J'ai le souvenir d'avoir vu les choses un peu différemment de mes proches, de ma famille. Et donc, j'ai toujours été émerveillé par un petit effet de lumière, une forme, une couleur, enfin des effets de matière. J'ai toujours été un peu émerveillé par ça. Et j'ai retrouvé dans cette série les sensations presque que j'avais quand j'étais enfant. Alors que je n'étais pas photographe, je regardais le monde qui m'entourait, voilà, simplement. Et je crois que mon œil, je l'ai un peu habitué, ou c'est lui qui m'a obligé à regarder le monde différemment, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait, mais visiblement je vois les choses un peu différemment d'autres, quoi. C'est pas très grand, c'est un lieu qui a plein de contraintes.
Et tu as pu accéder à l'intérieur ou au départ c'était que de l'extérieur? Non, c'est tout est fait à l'extérieur. Moi j'ai le même point de vue que tout promeneur. D'accord. À aucun moment je suis rentré dans la serre. Donc ça veut dire que, entre guillemets, ce que j'ai fait, tout le monde peut le voir. Oui, c'est ça, ouais. Donc est-ce que mon travail, quelque part, peut obliger à regarder les gens à regarder un peu différemment? Peut-être. Enfin, si j'aide à ça, c'est parfait, j'en suis très heureux. Mais ce lieu, ouais, il m'a emballé tout de suite, quoi. Il m'a saisi tout de suite, quoi. Tout de suite. Ouais, je savais dès les premières images, dès les premières 10 images, que je tenais quelque chose. Je n'imaginais pas que ça allait durer 3 ans et demi. Je pensais qu'en 5 ou 6 séances de photos, j'aurais fait le tour. Je pourrais continuer, hein. J'aurais pu encore en faire et en faire et en faire. J'ai toujours une démarche qui est d'aller du figuratif à l'abstraction. C'est-à-dire que les premières images sont toujours, on identifie le lieu, on sait où on est, toujours. Peu importe le sujet que j'aborde, on identifie la matière, ou le sujet, ou le lieu. Et plus j'avance, plus mes images sont épurées, et plus je vais chercher dans le détail ce qui m'intéresse, et ce qui peut être complémentaire des images précédentes. De raconter quelque chose à travers une série d'images. Les images sont dans la chronologie des prises de vue. La toute première, c'est celle-ci. Donc on identifie. Il y a le kiosque, il y a les chaises, il y a les lampadaires, enfin il y a des éléments qui font penser qu'on est au Tabor. Et la toute dernière, c'est celle-ci. Il n'y a plus de repères de lieu. Il n'y a plus les lampadaires récurrents, il n'y a plus les séquoias, il n'y a plus de voilà, il n'y a pas d'éléments qui font dire qu'on est au Tabor. Et quand j'arrive à ce point-là, ça veut dire que la série est terminée. Ce travail-là représente la vie de la serre pendant 3 ans et demi. Moi, ce qui m'intéressait dans ce lieu, c'est toutes les traces du temps. Les végétaux qui étaient coincés dans les grilles, qui étaient là depuis des années, et qui racontaient une histoire. C'est tout le côté un peu presque désuet, quoi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est toutes ces traces du temps, les peintures écaillées, les murs fissurés, les mousses, enfin la vie, quoi. Ce qui fait que le lieu avait son charme. Je parle au passé, il a encore son charme, mais moins de mon point de vue, parce que la serre a été nettoyée et repeinte. Donc ça veut dire, entre guillemets, que ce travail qui, visiblement, n'existait pas trop sous cette forme-là avant, sera maintenant plus compliqué à refaire parce qu'il n'y a plus cette vie qui m'intéressait. Donc cette série, elle a entre guillemets un intérêt un peu patrimonial sur ce lieu-là, quoi. Dans la mesure où elle raconte, à travers 70 images dans le livre, elle raconte la vie d'un lieu, quoi, de ce lieu-là. Voilà. Voilà. C'est l'humain, moi ce qui m'intéresse c'est la rencontre avec l'autre. Une fois que les images existent, c'est la rencontre avec le public, avec les... Et ce lieu raconte tellement de choses à Dérénée. C'est la maman d'un ami qui lui avait offert une de mes images pour... Bon, je ne vais pas donner son âge, par respect. Mais bon, une dame d'un certain âge voilà, donc son fils lui a offert une de mes images. C'était en 2014, à l'occasion d'une exposition que j'avais à la Chapelle Sainte-Yves, à l'Office du Tourisme. Et elle est venue le dernier jour de l'exposition. Et elle a pris son temps, 10 minutes, un quart d'heure, à peu près. Et puis elle est venue me voir en me disant, elle se rappelait un moment de son enfance, quand elle était sur les genoux de son grand-père. Et il était assis sur une chaise adossée au cerf. Et donc elle était sur ses genoux et elle le revoyait dessinant dans les gravillons avec le bout de sa canne. Quand j'ai eu ce retour de cette femme, je me suis dit que j'avais peut-être pas tout raté dans la série et que ça générait des émotions liées à l'enfance et liées à ce lieu qui a ce pouvoir magique. Pas tellement compte de l'impact que au début, la non. série pouvait avoir. Non, enfin pas toujours. Hein. L'essentiel, c'est que les gens soient touchés comme j'ai pu l'être par ce lieu. Et c'est souvent le cas. Donc c'est bien, c'est parfait.